considérons que les juniors ont gagné. Ils sont blessés mortellement. Et surtout, tu as fait partie du membre 400 Marozo selon toutes les informations que nous avons. Au niveau de Pétionville, il y a un Chouta, ainsi connu. Ils sont blessés mortellement suite à échange de tir avec la police. Il y a encore donc, au niveau de Pétionville, suite à l'intervention du commissaire de Pétionville, qui est fait dans la localité Fort Jacques, Maric, Dieppe, Mayotte, il y a deux bandits qui arrivaient blessés mortellement. Dans le nord, il y a un présumé bandit qui est blessé mortellement dans le moment où tu as rançonné chauffeur. Et toujours dans le nord, et suite à échange de tir avec la police, il y a un champignon ainsi connu qui est blessé mortellement. Il était fait partie d'un gang qui est le Haji, qui est en tête li, un certain Tibitaire ainsi connu, qui a opéré dans la zone Chaka 2 au niveau Cap-Haïtien. Champignon tout, il est impliqué tout dans l'assassinat policier Joseph Larousse, et qui c'est un agent Hugo, 27e promotion, ça a dérivé le 10 juin 2020. Et il était tout impliqué dans l'assassinat tout, tel fort Firéré, le 26 décembre 2020, dans Carrefour Lachaud, Petite Anse. Et suite à l'intervention de la police au niveau Carriès, il y a deux présumés bandits qui arrivaient blessés mortellement suite à l'échange de tir avec la police et il y a un bandit qui blessé par balle. Dans le cadre dossier qui était pour eux à Sojé Bank et ce que ça a trouvé dans la rue d'Orguin, il y a plusieurs avis de recherche qui sont lancés par la DCDJ via BAF, qui est une entité au niveau de la DCDJ, qui est le bureau d'affaires économiques et financières, qui, j'en dirais, trouvé au niveau de la DCDJ. Il y a Jean-Ralph Antoine, monsieur, c'est directeur sur le SAD de Sojé Bank d'Orguin, chef d'accusation, complicité de vol, abus de confiance, association de malfaiteurs. Gagné tout, alors on a compté que monsieur prend la fuite et en direction des États-Unis, et BAF était tenté monsieur une fois, et il va répondre à plusieurs invitations, hein, et c'est jeté. Gagné Anne Kitia, Georges, ses principales concernées, hein, lui-même fait abandon, et lui quitté banque-là, chef d'accusation, vol, abus de confiance, faux et usage de faux. Gagné Jean Junior, mais non, monsieur c'est responsable audit interne, groupe Sojé Bank, côté que nous en sommes amis de chef DLD, également de Stéphane Joseph, qui c'est ici, hein, et côté que il fait réaliser plusieurs transactions et qui est faute. Et il parle pour tout, invitation BAF, chef d'accusation, complicité de vol, association de malfaiteurs. N'a pas rappelé tout dans quatre dossiers pour à Sojé Bank, ce que ça veut dire, hein. Il y a deux monde qui a arrêté déjà, qui c'est Catherine et Barouchin, également Dakar Saint-Paul, à l'instant de la défaite, c'est suite à l'audition au niveau BAF le 4 mai 2023. Et il y a l'Evens, qui fait tout, et qui déjoua, qui a arrêté au niveau OCAP, parce que je suis fait connaître que c'est l'État de travail dans ce qu'il y a, et puis vous transférez au niveau OCAP, et suite à recherche et également mandat d'amener la police procédée à l'arrestation au niveau au Cap-Haïtien. N'a dit encore à la population, à travers la presse, volonté et mobilisation policière encore là. Intervention a continué malgré toutes les difficultés que nous rencontrons. Des fois, nous créons la population qui nous dit ça et nous prenons ça tout. Et qui est difficulté que nous avons au niveau logistique, également au niveau matériel. Mais la volonté, beaucoup de policiers ont encore déterminé, ils ont armé de courage, malgré la situation difficile, pour que ils fassent face à la situation et permettent que la population soit capable de faire une bonne activité. Et tout, la considéré tout, ensemble des forces que la police fait, c'est grâce à mariage police-population. Également, nous constatons tout. Et pendant un petit temps, il y a une baisse considérable de l'enlèvement qui était appelé DTO dans la zone métropolitaine, à savoir Delma Pétionville. Et force à eux, encore une fois, ce n'est pas la police simplement, mais c'est mariage police-population qui permet que nous gagnions ces résultats. C'est vrai que la population attend plus, c'est vrai qu'on demande plus, et pour côté par nous, avec les moyens gagnants, nous pouvons faire plus. Et nous sommes capables de dire tout, il y a des zones tout, activités pratiquement au point mort,
et je apprécie tout effort que la police a fait, bien que l'élément de plus, et nous-mêmes au niveau de la police, nous avons fait tout ce qui est possible pour que nous soyons capables de permettre que nous nous battions pour l'activité. Quelques questions, s'il vous plaît. Et pas simplement dans zone ça, et nous témoins de l'intervention et de présence de la police sous grand accent et pendant que je parle à volant, et toujours gagner présence et blindés policiers sous grand accent. Et vous connaissez que lors d'un type d'opération, ça va tout, et parfois tout, il faut que vous définissez plusieurs priorités. Et population, justement, à travers la presse, a apprécié l'intervention de Sahel. Et beaucoup de nous, on a fait tout ça capable pour encore présence sur l'axe-là et suivant le plan d'opération qu'il a élaboré pour que nous-mêmes, au fur et à mesure, nous arrivions à entrer dans la fièvre et permettre que la population paisible qui vit dans la zone Sahel, parce que ce n'est pas tout le monde qui a vécu en dehors qui bandit. Il y a des gens qui ont trouvé une situation difficile, nous ne pouvons pas aller de l'autre côté. Et nous croyons que la collaboration est importante. Et nous avons profité en termes de radio, télévision, presse en ligne qui l'a dit encore une fois la population. Hein. Meilleurs amis, c'est la police nationale. Tant que jeune garçon, ça nous a arrêté, dans le sapeur, c'est le même qui fait partout dans le monde. Qui problème nous se pose à la société qui fait partout dans le monde? Alors, nous dit que spécialiser, non, fait à tout, c'est ça qui est une officialisation. Et la police a arrêté lui parce qu'il y a un problème avec le réseau gang ça qui a fonctionné dans la zone ça. C'est ça que nous avons comme élément d'information. Gon, il y a un Kafou, moi-même, c'est Babou News, un problème qui a passé Kafou. Qui disposition la police prend pour ça qui a passé Kafou? Très bonne question. Effectivement, hier soir, très tard, au commandement, tu as évalué la situation hein, et tu es en contact avec CAPCOT, également commissaire Barzolan. Côté que monsieur qui a armé, individu armé bandit, il a été dans les hauteurs, côté qu'il a tiré en direction CAPCOT. Et les policiers nous-mêmes, nous avons abrité pour d'abord protéger l'espace. Et nous sommes en contact avec le commissaire Barzolan. Et toujours qu'il y a des tirs. Et au niveau de la police, on a fait tout effort pour que nous soyons capables de prendre contrôle de la situation hein, pour ce qui est des tirs. Et nous avons toujours dit, yo, dès que y a un tir, ça y a, et le frein, la population, pour que yo très prudent et pour que yo pas exposé yo à théâtre événement. Mais au niveau de la police, hier soir, très tard, nous avons évalué la situation. Hein, et probablement pas qu'on ait commandé pour le moment, mais avant justement de venir dans la conférence là, de parler avec le commissaire là pour m'aider dans la situation. Est-ce qu'on peut dire frère d'amour? Est-ce qu'on peut dire frère d'amour dans Kafou? Et heureusement, et pas gagné policier victime, mais t'es gagné tout une équipe qui devine renforcer eux et au fur et à mesure n'a pas, disons, multiplié et renforcé eux de manière pour que ce soit au moins logistique également au moins physique. Question n'a pas mais connaît est-ce que dossier Omelson Ville c'est un déclassé ou pas? Moi je comprends l'inquiétude à travers confrère et qui pas simplement confrère mais qui se comprennent tout parce que les n'a défini et le travail que n'a fait effectivement c'est pas même champ de compétences mais c'est deux entités qui risquent. Journaliste a lui-même, faut qu'il là. Et quel soit danger, il faut qu'il porte information à la population. C'est travail, c'est responsabilité. Et nous reconnaître ça. Et nous toujours féliciter chaque journaliste, surtout qui est dans la ligne professionnelle. Également tout au niveau policier autour, qui eux-mêmes, les ont la caillou, pour que y a nos commissariats, pour faire des interventions à ça qui passé. Et pas gagner
y a un dossier qui a été fermé dans le tiroir. Si je ne me rappelle pas, je ne me rappelle pas, je ne me rappelle pas. Je pense que l'inspection générale, et dans la dernière conférence de FAO, je ne me rappelle pas, mais je ne me rappelle pas. Je pense que, après la conférence, nous sommes capables toujours, en toute transparence, pour que je demande l'inspection générale dans quel niveau que nous. Mais ce n'est pas une parole que nous avons pour mon guébé. Parce que à chaque fois, un journaliste mourit, perdu la vie, surtout dans l'exercice de fonction, ça, c'est un coup qui est dû, même chantou, à chaque fois, tout aux policiers victimes de l'exercice de fonction. Merci. Et commissaire, excusez-moi, vous tenez un poste au bilan, il est perdu là, jusqu'à présent que vous comprenez. Mais il y a un matériel PNH qui boule. Et les nouvelles constatées, ce qui s'appelle la lague et capteur la vie du jour là, qui mesure que la police lui-même lui prend pour résoudre le problème qui a cassé la population. Et nous toujours dit que le problème de sécurité et face à la situation ça, la police simplement pas seul acteur. Mon frère, posez-moi une question, on va entendre des réponses, s'il vous plaît. Nous avons une prochaine parce que vous posez une question, on va parler à vous. Merci encore. Encore une fois, nous apprécions ces questions-là. Et nous toujours dit que question sécurité et toute expérience sécurité, toujours disent la police pas seul acteur. Gagner population qui pour m'accorder effort avec nous et l'autre monde qui n'a pas rien sécurité. Et c'est ça justement qu'on a fait et exercer ça, population autour, livrer des signaux pour dire que nous, ouais, dernier moment ça, comment on peut supporter la police dans le travail là. Et nous sommes certains que nous n'avons pas arrivé un jour pour que nous déloger le réseau ça, même j'en fais. La police nationale, le 24 avril 2023. Je dis là, ce n'est pas une conférence classique que nous habituons à faire, mais nous croyons que c'est important pour que nous partagions plusieurs informations avec les populations à travers la presse. Et pour nous dire tout à la population que la police nationale mobilisée et opération la police à mener en cours. Donc on est des événements là, côté que le 9 avril 2023 au niveau Thomasin, côté que nous avons perdu 3 jeunes policiers qui eux-mêmes étaient au service pays et côté que aux victimes dans l'accomplissement de voile tâche et travail responsabilité que nous avons au niveau sécurité pour permettre que l'autre monde vive. Nous dit que les policiers baillent la vie pour la vie de l'autre monde. Et c'est comme ça que tous les policiers ont fonctionné. C'est un travail qui n'est pas facile, mais il m'a donné une détermination. Nous connaissons le 9 avril, des opérations au niveau Thomasin, zone la boule, côté que, comme bilan partiel, gagné 6 fusils d'assaut qui récupéraient, gagné 2 radiocommunications, gagné 30 véhicules qui immobilisaient, gagné 7 motocyclettes qui immobilisaient dans le fief Timakak, ainsi connu, gagné une génératrice qui détruit, gagné 3 cadavres que la police récupérée suite à échange de tir avec la police, gagné plusieurs bandits qui malheureusement blessés mortellement suite à intervention et échange de tir autour avec la police. Gagné tout plusieurs otages qui sont arrivés libérés. Et la petite tour à la presse, lors de l'intervention SAO, gagné Metellus Cordo ou Metellus Petit Homme, alias Timakak, chef de gang qui a opéré dans toute zone là et dans pile monde dans la population là, qui est victime de réseaux ça, de kidnapping, de enlèvement, séquestration et qui est tout qui est victime tout que nous connaissons. Suite à dernière intervention et
selon source de renseignement, non? Timaka, chef de gang, source de renseignement confirmé que il est décédé suite à blessure. Nous connaissons ça qui passait tout matin tout au niveau cadavéreux, côté que la police était intercepté en minibus et a abolé plusieurs rondes armées. La police a fait toute salle capable pour que les arrêtés de préférence et conduits devant la justice, mais vu à colère population, ce que nous comprenons, et nous avons profité tout pour nous dire à la population, nous comprenons la situation qu'a traversée là. Et nous toutes, dans la société victime, mais la collaboration que nous avons demandé, il sans violence. Et ça que nous avons demandé à la population. Hein? Et tout effort que la police a fait, malheureusement, les bandits armés qui étaient à bord du véhicule, c'était que ils ont lynché et la population a brûlé. Pour le moment, en attendant le rapport définitif, il y a plusieurs armes que nous joignons, plusieurs munitions, plusieurs téléphones et tout matériel. Et concernant Cité Soleil, qui fait actualité tout pendant le week-end ou pendant la semaine, on a dit que selon l'information que nous avons, c'est à deux groupes niveau qui tapent nos mains et ça nous vient comme premier élément d'information. Et pour le moment, la police occupait des positions stratégiques. Et pas simplement au niveau Cité Soleil, mais un peu partout des quartiers qui, pendant la semaine, ont été bouleversés, dont zone Miotlan, Dieppe, et pendant pas d'avoir tout, la police tout présente au niveau centre-ville. Et encore une fois, nous demandons aux populations en collaboration dans ce sens-là, parce que vu la situation et gang même qui vient en leur méthode, côté qu'il y a déplacé de quartier en quartier, et pour créer peur à la population hein, et pour la population elle-même quitter la zone. Nous. Et nous comprenons la situation, hein, peur de la population, hein, mais nous avons demandé encore une fois à la population pour être vigilant et continuer pour tout collaboration avec la police nationale. Dans la Tibonée, nous avons deux commissariats qui, pour le moment, pas qu'un policier, à savoir Petite Rivière et Liancourt. Il y a une disposition qu'on prend au niveau de la direction générale là pour que la police retourne dans l'espace là avec, bien sûr, des matériels, moyens logistiques pour les policiers capables de travailler. Et pour la situation et sous ce map là, il y a plusieurs informations que nous avons non et côté que il y a plusieurs gens qui sont victimes dans la zone ça. Pour le moment, n'attend rapport définitif de responsable dans son sabonka qu'on exactement combien, mais ça a préoccupé nous. Et nous préoccupons au commandement et nous réfléchissons pour que des interventions vraiment soient faites dans son ça. Mais tout de suite, et la situation s'est développée. Et la police, au côté de Paris, fait tout ça capable en fonction du matériel pour que est capable présent dans la zone ZAE. Et nous tous connaissons déjà que au niveau logistique, nous limités en termes de moyens, en termes de matériel. Et ça fait d'ambulance, il faut qu'on fasse au niveau commandement pour que nous renforcions la capacité matérielle, équipement de la police nationale là, de manière pour que les bonnes situations, les troubles, les bandits, envahir l'espace pour la police même capable de réagir. Et encore une fois, la petite population, hein, pour ses yeux, la police, et pas gagner l'autre partenaire qui voulait pour vaquer les gouvernements antivitaux, partenaire, ça c'est la police nationale, et c'est ensemble qu'on fait. Vous commandez tout à féliciter tout policier dans le dernier moment, ça. Pour dévouement, détermination, courage face
à la situation insécuritaire. Malgré, encore une fois, nous limiter au niveau logistique, mais pas de bail qui est plus fort que détermination et courage. Et policiers ont bail vie, policiers ont bail tout ça en termes de capacité pour que vous-même, pour vous départ, et en fonction de moyens, pour que vous arrivez à faire travailler. Encore une fois, nous remercions toute la population. Côté, nous croyons encore. Et nous avons toujours cru que un mariage population hein, avec la police dans la baille, bon résultat. C'est la solidarité ça, que nous avons demandé chaque jour avec la population. Hein, et ça fait que nous remercions, c'est parce que il voulait des signaux pour que les montrer nous, la fait tout ça capable pour que il vous dise solidarité, sa collaboration. Ça. Et nous avons demandé encore pour que les très vigilants. Parce que nous connaissons que dans yo un peu partout et yo éparpillé dans plusieurs foyers des gangs. Et le travail, ça, c'est pas la police tout simplement qui est capable de solutionner. C'est vrai que nous sommes un élément important dans la question de sécurité, hein, mais il y a d'autres secteurs qui peuvent venir avec nous, j'en ai toujours dit, également la population que nous comptons sur. On parle tout sur la situation sur ce matin, mais il y a un bilan. Intervention de la police, parce que les chiffres sont extrêmement importants pour nous. Et puis, troisième question, c'est en ce qui concerne le dossier Bafla. Est-ce que la police, effectivement, a commandé pour arrêter l'ancien ministre Bertrand Dorcy? Concernant d'autres antennes qui pas les policiers là-dedans, comme au niveau de l'Antiponique, nous connaissons qui ça a été lié, et pas trop longtemps, et nous ne pouvons pas dire qui ça a été encore, mais situation et demande toute population dans la zone ça, également dans la zone de société. Disposition à prendre, c'est graduellement, de manière pour que nous sommes capables d'arriver à investir encore l'espace ça, pour que nous sommes capables présents et pour nous permettre toute population les mêmes vagues librement dans l'activité. Et concernant ce smart là, on était nous que il y a plusieurs informations qui nous viennent et qui fait qu'on est gagné. Plusieurs morts, malheureusement, côté que, encore une fois, population victime de Émile de bandits. Et nous avons un rapport et responsable au niveau zone pour que nous soyons capables de gagner un bilan définitif pour nous connaître exactement combien de monde qui malheureusement victime de situation d'Absa. À savoir, les questions qui liées à BAF, nous connaissons que. C'est comme la justice, l'instruction est secrète au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Et question là, encore une fois, important, mais je pense que il est plus bon pour que la justice même continue de travailler. C'est certain que, et beaucoup de part, et la presse, même nous capables. Aller auprès de l'autorité pour que nous soyons capables de gagner et d'autres informations. Et pour la police, c'est, j'aime dire, c'est comme l'instruction au niveau cabinet, l'instruction est secrète. Yeah.